الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أيها الإخوة الكرام إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الكون لما خلق المخلوقات جعل سنن الله سبحانه وتعالى il a mis des règles sur terre, des règles dans la création qu'il a mis. Et certaines règles sont immuables. Pourquoi? Justement, les règles sont immuables pour que la vie puisse se tenir. Si l'eau, par exemple, elle bout à 120 degrés un jour, et à 100 degrés un jour, et à 80 degrés un jour, ben, on ne saura pas comment faire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fixé certaines règles qui resteront immuables jusqu'à la fin des temps. Parmi les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre, « Anna kullu nafsin dha'iqatul maut » Chaque âme goûtera à la mort. Et Allah il dit bien « goûter ». Parce que la mort n'est pas la même pour tout le monde, en fait. Chaque âme goûtera à la mort. Mais chaque chose arrive à sa fin. Chaque chose arrive à une finitude, à une fin. Et la vie, ici-bas, a une fin. Et Ramadan ne déroge pas à la règle. Ramadan, il arrive à sa fin. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, quand il nous a parlé de Ramadan, il nous dit « ayyaman ma'doudat ». C'est juste quelques journées, c'est juste quelques jours. En fait, on est pris par notre paresse, par notre nefs, par la vie ici-bas. Et on oublie l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Ramadan, ayyuha al-ikhwa, arrive à sa fin. Et chacun de nous doit se poser la question. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait du mois qui est passé? Et subhanallah, hier on préparait Ramadan et aujourd'hui on prépare l'Eid. On est à la fin du Ramadan. Subhanallah, c'est passé d'une vitesse. La ilaha illallah. Ma hada? Hada umruka wa umri ayyuha al-akh al-karim. Ça c'est ta vie et la mienne. Ce sont des jours qui s'égrènent. Et nous sommes juste en train de se rapprocher du quoi? De se rapprocher du rendez-vous avec Allah. Sallallahu subhanahu wa ta'ala in ja'alahu ahsana maqam. Amin ya rabbal alamin. Et que le plus beau des rendez-vous, c'est le rendez-vous où on rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa'a Allah, kariha Allahu liqa'ahu. Celui qui aime rencontrer Allah, Allah il aimera le rencontrer. Mais celui qui n'aime pas rencontrer Allah, Allah n'aimera pas le rencontrer. Wallahi ayyuhal ikhwa. Il y a une dame qui nous écrit et elle nous appelle. Elle nous dit, j'ai un gros problème. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un cousin qui est à l'hôpital. Et je suis infirmière. Ça fait 3 jours. Ça fait 4 jours maintenant. Le lendemain, on l'a eu au téléphone, ça faisait 5 jours. Le gars agonisé, il est devenu bleu. Il a 32 pouls, mais l'homme ne sort pas. J'ai dit, il ne veut pas mourir. Qatli wallah, c'est ce qu'il nous a dit. J'aime pas mourir, j'aimerais pas mourir, je voudrais pas partir. Comment il était dans sa vie? Ah, c'était un homme normal, mais sauf qu'il ne faisait pas la prière. La ilaha illallah. Comment tu arrives à Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir mis au moins une fois dans ta vie ta face qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée, la plus noble face qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée, tu l'as mis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis quand arrive la fin, l'insan il nandam. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس تلومك quand arrive le temps de rencontrer Allah. أنواع النفس 3 في القرآن. النفس اللوامة
والنفس الأمارة بالسوء والنفس المطمئنة. النفس الأمارة بالسوء وسوى وطوعت له نفسه وقتل أخيه فقتله. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء في سورة يوسف. الله سبحانه وتعالى ينودي فات attention à l'âme que vous avez entre vous là. Pourquoi أمارة بالسوء؟ Et il nous dit, faites attention, parce que le jour du jugement, فيوم القيامة, Allah subhanahu wa ta'ala dit, لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. Le jour du jugement, tout le monde se lamentera. Celui qui a fait de bonnes œuvres, il dira pourquoi je n'ai pas fait plus. Celui qui a fait de mauvaises œuvres, n'en parlons pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala parle de نفس المطمئنة dans quelle surat ? C'est surat Al-Fajr. Allah subhanahu wa ta'ala نزل القرآن et c'est un hadith عظيم. النفس المطمئنة في سورة الفجر قال العلماء إذا أديت صلاة الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فنفسك تكون مطمئنة. Pourquoi ton âme sera apaisée si tu fais صلاة الفجر؟ Parce que السكينة elle descend du ciel. السكينة elle descend du ciel. C'est pas quelque chose que tu peux apprendre ou quelque chose que tu peux lire. Non, tu peux apprendre, tu peux lire tous les livres du monde. Tu n'apprendras pas comment descendre sakin à la sérénité sur toi-même. C'est quelque chose de ghaïb. As-salatu ghaïb. As-salatu, c'est ittisalun bi'alim al-ghaïb. As-salat, c'est un lien avec le monde invisible. Et du coup, quand tu fais la prière, il y a quelque chose de alim al-ghaïb qui descend sur toi. Et regardez, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quelque chose. Le prophète, il nous dit, quand l'être humain, il meurt, « Idha kana min al-muhsinin » Si c'était une bonne personne, la ruh, elle monte jusqu'au septième ciel et elle traversera les cieux, l'un après l'autre, jusqu'à ce qu'elle arrive au septième ciel. Et quand elle arrive au septième ciel, rihun tayyiba, elle aura une bonne odeur. Et on l'appellera par les plus beaux noms par lesquels on l'appelait sur terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ktubu kitaba abdi fi illiyin » Écrivez le nom des œuvres de mon serviteur, fi'iliyin, dans les plus hauts degrés du paradis. An-nafs al-khabitha, elle ne veut pas sortir. Elle ne veut pas sortir et elle se subdivise. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle devient bleue. Elle se subdivise dans le corps humain. Et du coup, quand elle ne veut pas sortir, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand Malak al-Mawt, il va l'arracher pour la sortir du corps. Et il essaie, il va la prendre, il la met dans un linceul, il la donne aux autres anges. Il monte avec vers le ciel. La tufattahu lahum abwab as-sama. Alors, sallallahu alayhi wa sallam, quand il raconte ce hadith, il lit l'aya, dans surat al-A'raf. Inna alladhina kafaru bi ayatina wa astakbaru anha. La tufattahu lahum abwab as-sama. Wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Ceux qui sont enflés d'orgueil, ceux qui ont mécru en nos signes, et qui sont enflés d'orgueil. Les portes du ciel ne s'ouvrent pas pour eux, ne s'ouvriront pas pour eux. Ils ne rentreront au paradis que lorsque... Vous savez, le Jamal ici, ce n'est pas le chameau. Le Jamal, c'est la grosse corde par laquelle on tient les bateaux. Quand la grosse corde qui tient le bateau rentrera dans le châsse d'une aiguille, lui rentrera au paradis. C'est ce que nous dit le Coran. Alors pourquoi le Coran ? Pourquoi نحتفل بالقرآن في شهر رمضان? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit jeûnez le mois du Ramadan. لا يدخلون الجنة. Je reviens sur لا يدخلون الجنة. En fait, comme quand il meurt, les portes du ciel ne s'ouvrent pas. في الدنيا, il n'a jamais mis la tête vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est jamais prosterné devant Allah. أبواب السماء لا تفتح له. Les portes du ciel ne s'ouvriront pas pour lui. Donc il peut posséder tout ce qu'il veut. Ma'isha dhanka. Il a une boule là. Il a une boule dans son cœur. Pourquoi? La yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad. Tu peux les voir être habillé avec des costards à 15 000 euros ou à 20 000 euros. C'est pas ça qui fait la sérénité. C'est pas ça qui fait sakina. C'est pas ça qui fait que la personne soit heureuse. C'est pas ça. Qu'est-ce qui fait que la personne soit heureuse? C'est le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, justement, ayyuha al-ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. » Pourquoi on célèbre le Ramadan? On célèbre le Ramadan parce qu'il y a un événement exceptionnel qui s'est passé pendant le mois de Ramadan. Qu'est-ce qui s'est passé? « Unzila fihi al-Qur'an. » Alors, il y a une différence entre l'inzal ou le tanzil. L'inzal,
c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala descend le Coran des tables gardées vers le ciel terrestre. Et Tanzil, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recevait le Coran d'une manière saccadée sur une durée de 23 ans. Et sur une durée de 23 ans, le Coran, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va éduquer les compagnons, il va éduquer le prophète et les compagnons, et derrière, les générations qui vont venir. Les générations, nous faisons partie des générations qui vont être éduquées par le Coran si on comprend ce qu'il y a dans le Coran. Si on comprend vraiment ce qu'il y a dans le Coran. Alors, ce qui est extraordinaire, ayol ikhwa, pendant ce mois de Ramadan, quand on va dans les mosquées et qu'il y a salat al-tarawih, parfois dans certaines mosquées, l'imam il s'arrête. Et puis l'imam il explique un petit peu ce qu'il a lu. Et c'est très bien pour les jeunes qui sont là, pour les gens qui ne sont pas arabophones. C'est très bien, comme ça on comprend ce que le Coran il nous décrit. Et le Coran nous apprend quoi ? Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. On va revenir. Et le Coran il nous apprend quoi ? Le Coran il nous apprend ce que je viens de vous dire. C'est que le lien avec Allah, c'est ça qui descend la sérénité sur toi. D'où on le sait ça ? Min al-Qur'an. Al-Qur'an nous apprend quoi ? Il nous apprend le lien avec Alam al-Ghaib. Le lien avec le monde invisible. Quand on vous dit, on a vu des extraterrestres venir, tout ça. Des bêtises. C'est, les gens, ils parlent dans le vide. Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué qui est sur terre. Il y a les anges, il y a les djinns, il y a les ins. Voilà ce qu'il y a sur terre. Et Laylatul Qadr, justement, pourquoi on l'appelle Laylatul Qadr ? Je vais revenir là-dessus. Allah subhanahu wa ta'ala fait le Coran, il nous donne les concepts de vie. Comment on doit être et comment on doit voir les choses. Et quand tu vois les choses comme le Coran, il nous décrit, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend la sérénité, tu deviens serein dans ta vie et tu n'as peur de rien à part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors regardez bien. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alf shahr. Beaucoup de gens nous disent laylatul qadr c'est la nuit du destin. C'est une des explications. C'est une des explications que c'est la nuit du destin. Mais le qadr étant un mot polysémique, c'est-à-dire qu'il a plusieurs sens. Al qadr Allah subhanahu wa ta'ala qadir. Wallah subhanahu wa ta'ala qadir. والله سبحانه وتعالى يقدر والله سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه قدر ça veut dire ضيق il a serré le risque sur la personne ça veut dire que la personne n'a pas beaucoup de risque القدر ici voudrait dire aussi comme certains savants nous l'ont dit qu'il n'y a plus d'espace sur terre, tellement il y a des anges qui sont descendus sur terre. Donc le mot qadar, il est polysémique. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi ce mot pour définir cette nuit. Mais regardez comment c'est extraordinaire. En une nuit, tu peux pratiquer une pratique de 1000 mois. Même si l'un d'entre nous y vit 80 ans ou 83 ans, même si tu adores Allah pendant minimum 2 heures ou 3 heures par jour, tu ne pourras jamais adorer Allah pendant 83 ans pleine, jamais. Laylatul Qadr, elle te donne cette possibilité. Laylatul Qadr, quand tu la célèbres, elle te donne cette possibilité d'avoir adoré Allah pendant 83 ans pleine et des meilleures des adorations. Ahsan alladhi kanu ya'malu. La meilleure des adorations que tu as faites, où ton cœur il était empli d'humilité, ou que tu as pleuré de peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala te prend cette récompense-là et te la donne quand tu fais l'ibada de Laylatul Qadr. Laylatul Qadr a été cité 3 fois dans la sourate qui comporte à peu près 6 ou 5 ayats. 3 fois Allah subhanahu wa ta'ala il la cite. Qala ibn Abbas, 3 fois il la cite. Regardez, 3 fois il la cite. Alors que si vous écrivez Laylatul Qadr, il y a les lettres composées de cette phrase, c'est 9 lettres. 9 fois 3, c'est 27. Il dit, c'est la nuit du 27. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a laissé mubhama. Il l'a laissé d'une manière, comment dire, il ne l'a pas défini. Le prophète nous a dit, « Iltamisu laylat al-qadr fil witri min al-ashri al-awakhir » Dans une autre version, dans les 10 derniers jours. Dans les 10 derniers jours, multiplie les adorations.
Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a mis Laylat al-Qadr? Il ne l'a pas défini. Pourquoi? Comme il n'a pas défini beaucoup d'autres choses, personne ne sait où il mourra. Personne ne sait combien il vivra. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا تَدْرِي إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, célébrez ce Coran. Ce qui est intéressant في القرآن أيها الإخوة, السياق. السياق, la continuité des sourates. Vous remarquerez qu'avant les Laylat al-Qadr, il y a Sourate al-Halaq. Autrement dit, quand tu étais, toi, l'être humain, juste une mouture, c'est, tu étais roi, quoi, une glu collée à l'utérus, Allah subhanahu wa ta'ala bi rahmatihi yunazzil al-Qur'an, pour que tu sois sur le droit chemin. Al-Halaq, elle commence par Iqra. Iqra, qu'est-ce que je dois lire? Inna anzalnahu. Ce que nous avons descendu. Ibn Mas'ud disait Man arada al-ilma falyuthawwir al-Qur'an. Celui qui veut la science et veut qu'il savoir, celui qui veut le savoir, qu'il laboure le Coran. Et d'ailleurs, les musulmans ont développé l'algèbre parce que le Coran les incitait à ça. Le Coran, il les incitait à développer l'algèbre. Et je vais donner peut-être un ou deux exemples. Des exemples qu'il y a dans le Coran qui nous prouve que le Coran n'a jamais été écrit par Mohammed. Mais le Coran, il nous explique aussi, quand vous êtes dans un état de faiblesse, comme l'est notre communauté aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit être? Al-Thabat. Wa la tarkanu ila alladhina kafaru fatamassakum an-nar. Regardez la fin de Sourate Hud. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala quand il parle de Yunus, fi Sourate Yunus, et Sourate Hud, et Sourate Yusuf après. Fais sur le Dieu aussi lui dit, peut-être qu'il te demande de laisser, délaisser un petit peu ce Coran. Attention, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit. Attention. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. Qu'est-ce que ça veut dire, لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. كُلُّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend le Coran. Al-Fu'ad, ce n'est pas le cœur. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. Al-Fu'ad, c'est quand vous faites un barbecue. Là où vous mettez la viande, c'est ça le fouad. Le fouad, il crame, si vous voulez, il brûle. Et il brûle le cœur du prophète de quoi? وَلَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Regardez le Coran, comment on nous explique. Hier, on était dans une mosquée, l'imam, il nous a lu Sourate al-Najm. Sourate al-Najm, elle parle du voyage nocturne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, wallahi, wa l'ikhwa, la tanqadhi ajaibu. Et dans Sourate al-Najm, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَلَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Il a vu des signes de son Seigneur, ce que vous n'imaginez pas. Allah subhanahu wa ta'ala lui a levé le voile. Il a vu l'enfer, il a vu le paradis. Vous allez me dire, l'enfer et le paradis, on est là sur terre, on n'a pas encore vu ni le paradis, ni Inch'Allah, on verra que le paradis. Amin. Amin, les frères, soyez avec moi. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala est intemporel. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, ces choses-là sont déjà arrivées. Il a montré ça au prophète. Le prophète, quand il descend du voyage nocturne, son seul souci, ayyuha al-ikhwa, son seul souci, c'est pas de construire une maison avec crédit, c'est pas ça. Son seul souci, le prophète, c'est de sauver l'humanité. C'est de sauver l'humanité. Al-Qur'an, il vient pour nous dire, il y a un rendez-vous exceptionnel, très important pour chacun d'entre nous, devant Allah. Wa kulluhum atihi farda. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا. Chacun de nous arrivera devant Allah tout seul. Ça, ce sont les concepts et les vérités que nous donne le Coran. أيها الإخوة. Quand le prophète il descend من السماء العلى من السماء السابعة من سدرة المنتهى, qu'est-ce qu'il fait? Son seul souci, c'est de sauver l'humanité. C'est ça le Coran, أيها الإخوة. سورة التين, سورة العلق, سورة القدر, التين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Quand la psychanalyse nous dit que l'homme il est cassé et on essaie de le rafistoler, non, non, barakallahu fik. Allah il nous dit, nous avons créé l'homme dans la meilleure des façons, dans une conformité parfaite. Mais Allah il dit, والتين والزيتون. On peut lire littéralement, التين c'est les figues, effectivement.
Des savants nous ont dit, At-Tin, c'est Balad At-Tin, c'est le pays où il y a les figues, c'est-à-dire l'Anatolie, la Turquie actuelle. Al-Zaytoun, c'est Jérusalem, c'est Al-Sham. Al-Tur-Sinin, c'est l'Égypte. At-Tin, Balad Nouh. Al-Zaytoun, Balad Isa, la terre de Isa. Al-Tur-Sinin, c'est la terre de Moïse, la terre de Moussa. Wahada al-Balad al-Amin. Cet endroit qui est serein et qui est en sécurité, pendant que la vie elle dure sur terre, il sera toujours en sécurité. C'est quoi ? Al-Makkah al-Mukarrama. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux prophètes, il nous dit à nous, tous les prophètes sont venus avec le même message, sont venus pour appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas des gens qui sont je ne sais pas quoi. Non, ils sont tous musulmans depuis Nuh alayhi salam. C'est ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et donc, fait surat Iqra, puisque nous sommes tous, ils sont tous venus avec le même message, lis ce message. Et n'aie pas peur de parler du Coran devant les gens. N'aie pas peur d'expliciter le Coran ou de parler aux gens du Coran, de ce qu'il y a dedans. Parce que les gens, c'est ce qu'ils cherchent. Et quand ils découvrent ce qu'il y a dans le Coran, certains nous disent, Wallahi, devant Allah, je vous tiendrai comme responsable, vous les musulmans. Pourquoi ? Parce que vous avez un trésor, vous avez une vérité que vous n'avez pas dévoilée aux gens. N'aie pas peur de dévoiler ça. Allah subhanahu wa ta'ala, surat Hud, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Fastaqim kama umirt, anta ou ladina ma'ak, wala ou tatraw. » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Soyez sûr, wala tarkal ou ladina kafaru. » Ni tu délaisses un petit peu de ce qu'on t'a descendu. Pourquoi ? Parce que la pression sur toi, elle est forte. Et la pression sur nous aujourd'hui, elle est forte, effectivement. Et ça ne s'arrêtera jamais. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِعُذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, chaque prophète, Allah lui met des ennemis minal mujrimin. Les adeptes du prophète auront toujours des ennemis. On va vous dénigrer tout le temps. On va vous salir tout le temps. Sauf que vous devez garder thabat. C'est quoi thabat ? C'est être sur le droit chemin et être serein dans son droit chemin. Comment ? C'est pas par la lecture. C'est pas par la lecture, c'est par l'iman. C'est par la foi. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala et développer le yaqin, la certitude avec Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, la foi, elle s'apprend comment ? Bien sûr, la lecture, il faut qu'on lise le Coran et le comprendre pour qu'on puisse être à la thabat, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, je vous donne juste un exemple de ce qu'il y a dans le Coran. Quand certains nous disent que le Coran a été écrit par Mohammed, Wallahi ya al-ikhwa, j'ai amené des enfants avec moi, des adolescents. On est allé à la bibliothèque et on a pris des livres. C'est quand on a pris des livres ? Il y avait un livre sur l'islam. Dans le livre, il y a écrit « Mohammed s'est beaucoup inspiré des livres qu'il y avait avant ». En écrivant le Coran, il s'est inspiré de la Bible. Dans les livres, c'est-à-dire, regardez ce qu'on apprend à nos enfants. Regardez ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle des « a'mal al-kafirin »« a'mal al-ladina kafaru », les œuvres de gens qui n'ont aucun lien avec Allah. De quoi il nous parle ? De quoi, qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala ? Il dit أو كظلمات في بحر اللجي يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب لو أخرج يده لم يكد يراها ظلمات بعضها فوق بعض لو أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. Regardez bien, subhanallah al-azim. Alors, des questions comme ça, il y en a plein dans le Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de le kalim al-tayyib qui touche l'être humain. Je vais revenir sur cette ayah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il parle des ténèbres dans la mer. Mais comment ces ténèbres ? Il nous dit, regardez le soleil. Quand il émet ses rayons de soleil, la lumière, elle est blanche. Et dans la lumière blanche, il y a 7 spectres. Il y a le rouge, le jaune, le vert, le bleu, il y a 7 spectres. Quand la lumière, elle arrive à la mer, elle est absorbée par l'eau de mer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, avant qu'elle arrive, la lumière arrive à l'eau de mer, il y a des nuages. Ces nuages vont absorber déjà 50% de lumière. Les rayons qui vont arriver à la mer, certains spectres vont être absorbés par l'eau de mer. Le premier spectre absorbé par l'eau de mer, c'est le rouge. Et d'ailleurs, si vous plongez en mer et vous blessez, vous allez voir que le sang est noir, il n'est pas rouge. Plus vous descendez,
les autres spectres sont absorbés. Le dernier spectre absorbé, c'est quoi ? C'est le bleu. C'est pour ça que la mer est bleue. Vous descendez à 200 mètres, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de lumière. Rien. Volumat. Allah, il nous le dit, fait le Coran en 624. Où est-ce que Mohammed, il a vu ça ? Où est-ce qu'il a plongé 200 mètres, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il nous dise, si tu descends à 200 mètres, il n'y a rien. Mais on pensait, regardez bien, on pensait qu'à 200 mètres sous mer, il n'y a pas de vie. On pensait ça. Eh bien, on a découvert qu'il y a des êtres qu'Allah a créés qui ont une réaction chimique dans leur corps. Cette réaction chimique, elle est fluorescente et elle produit de la lumière dans les ténèbres, dans les fonds de la mer. Qui a appris à Mohammed ça ? Qui a appris à Mohammed ça ? Subhanallah al-Azim. Fait surat al-Nur. Et surat al-Nur, il n'y a que des ayats. Ou surat al-Furqan derrière, il n'y a que des ayats. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, fait surat al-Shu'ara, c'est mécréant. À chaque fois que tu leur ramènes quelque chose, il faut leur dire une ayat, donne-nous une ayat, donne-nous un signe. Et Allah, fait surat al-Shu'ara, dans chaque ayat, il dit, inna fi dhalika la ayah, inna fi dhalika la ayah, innaha la ta'mal absar. Qu'est-ce qui aveugle ? Ce n'est pas les yeux. On voit la vérité, on voit les choses. Les cœurs sont inattentifs. Les cœurs sont scellés par les péchés. Les cœurs sont enflés d'orgueil. Et du coup, eh ben, on ne voit pas la vérité. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ويجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء. Regardez bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, fi surat al-nur, un peu plus loin, il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il ramasse, il assemble les nuages. Il assemble les nuages jusqu'à à un moment donné, il y a un cumulus Jibel qui est tellement grand comme une montagne. Et de ce cumulus qui est tellement grand comme une montagne, qu'est-ce qui se passe ? Il fait descendre la grêle. Aujourd'hui, les météorologues nous disent, la grêle, quand elle descend, il y a un cumulus là-haut qui fait entre 8 et 12 kilomètres. Comment Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il savait que quand il y a la grêle qui descend, c'est des cumulus qui font 12 kilomètres. Comment il savait ? Allahumma inna nas'aluka al-thabat, ya Rabbi al-alamin. Allahumma inna naj'aluka fi qulubina, ya Rabbi al-alamin. Allahumma ij'alana al-barakata fi laylati al-qadr, ya Rabbi al-alamin. Allahumma ij'alana al-barakata fi laylati al-qadr. Wa la nansaw ikhwanana ayyuha al-ikhwa, qui souffrent et qui souffrent vraiment pendant ce ramadan, alors que nous, on s'arrête pour aller manger chez nous, tranquille. Eux, ils ne trouvent même pas à manger. Et puis, il y a autre chose, ayyuha al-ikhwa, sur lequel je voudrais attirer votre attention sur ça. C'est très important. Certaines personnes ou certaines associations profitent de la misère des uns, profitent de ce qui se passe à Gaza pour ramasser de l'argent. Pourquoi ? Ils s'adressent à vous parce que comme vous êtes démunis, et vous ne savez pas quoi faire par rapport à ces gens-là. Et quand on vous dit « donnez pour la Palestine », vous êtes prêt à donner votre maison pour la Palestine, ils s'adressent à vous. Or, il faut qu'ils nous disent, ces gens-là, qu'ils nous disent que les aides sont rentrées à Gaza. Comment tu as fait ? Explique-nous comment tu as fait. Quand des gens n'ont pas d'eau, toi, tu nous dis que tu as envoyé un avion. Dis-nous comment tu as fait. Barakallahu fik. Explique-nous. Alors les musulmans, vous ne pouvez pas savoir à quel point les musulmans sont généreux. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point les musulmans sont généreux. Wallah ayyuhal ikhwa. J'ai tourné entre les mosquées, j'ai tourné entre les associations. Il y a des associations qui distribuent 800 repas par jour. Ils ne nous donnent pas qu'aux musulmans. Chaque passant, celui qui veut, celui qui est tout seul, on va le voir. Les gens malades, ils vont le voir. 800 repas par jour. Il y a des mosquées qui donnent 200, d'autres 500, d'autres 800. Les bénévoles sont là. Tout le monde met la main à la pâte. Masha'Allah, les musulmans, ils ont une générosité. Ils apportent quelque chose dans ce pays extraordinaire. Quand les gens, ils nous parlent de quoi ? Ils nous parlent que l'énergumène, l'homme seul qui fait des ravages, qui fait des conneries, et après, on attaque tous les musulmans. Les musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala, mazalhum ala al-fitra. Et c'est ça
qui fait peur aux autres. C'est ça. Je vous ai raconté l'histoire de l'homme qui crevait les pneus d'une femme, des femmes voilées. Il avait 64 ans. Qu'est-ce qu'à 64 ans, tu vas crever les pneus d'une femme voilée ? Allô, il est raciste. Non. Il n'est pas raciste. Vous savez ce qui se passe ? وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمْ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Quand on était fait alim al-arwah, Allah subhanahu wa ta'ala a essuyé les reins d'Adam. Il a tiré toute sa descendance. Et il nous a fait témoigner tous devant Allah. Suis-je votre Seigneur ? Et tout le monde a dit oui. Quand on arrive sur terre, il y a des gens qui sont restés sur le chemin et d'autres ne le sont pas ou ne le sont plus. Hasadan min indi anfusihim. Donc quand ils voient quelqu'un qui est resté sur le chemin, eh bien, yakadu yastawn billadhina yatluna kitab Allah. Ils veulent, mais alors, déchirer ces gens-là qui leur rappellent quoi ? Le pacte qu'ils ont fait, que leur âme a fait avec Allah subhanahu wa ta'ala fi alim al-ghayb. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أن نسألك الثبات لإخواننا في فلسطين اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم من أراد بهم الشر فصب الشر على رأسه اللهم من أراد بهم الشر فصب الشر على رأسه يا رب العالمين اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم